J'avais 17 ans lorsque je me suis rendue en Himalaya pour la première fois. C'était au Népal, et ce voyage a vraiment changé ma vie. Une fois rentrée en France, je ne savais pas encore ni quand ni comment, mais ma décision était prise. J'y retournerai. Quelques années plus tard, j'ai eu la chance de découvrir le Bhoutan, une contrée mystérieuse et inconnue, à l'époque complètement fermée aux étrangers. Je suis arrivée à Gensholing pour la première fois il y a une vingtaine d'années. À l'époque, le voyage se terminait par une journée de marche. Je me souviens être arrivée à la tombée de la nuit, sans avoir la moindre idée de l'endroit où je me trouvais. Le maître des lieux, à la voix imposante, m'a crié en zonka : « Qui est là ?» Puis, il m'a invité à rester et nous avons parlé toute la nuit. C'est ainsi que je suis tombée sous le charme du Gensholing, sans savoir que cet endroit allait devenir aussi important dans ma vie. Jiencholing est perché à 3000 mètres d'altitude, en plein cœur des montagnes centrales du Bhoutan. Et dès novembre, il ne fait pas plus de 5 degrés dans les maisons. Le plus souvent, on dort tout habillé et la toilette se limite vite à l'essentiel. Au retour de mon premier voyage au Népal, je me suis inscrite en fac à Paris. C'est ainsi que je suis devenue historienne, puis après bien des péripéties, chercheuse au CNRS. Depuis 5 ans, je me consacre presque entièrement à l'étude du village du Gensholing. Fondé au XIVe siècle, ce village est un lieu hors du temps, sans eau courante, ni électricité, ni téléphone bien sûr. Ici, mieux vaut ne rien oublier. Il faut 1 heure de marche à pied pour trouver un peu de savon, du thé, du sel ou des bougies. La découverte du Bhoutan, ce tout petit royaume d'à peine 600 000 âmes, m'a vraiment fait l'effet d'une révélation. Ce pays cristallisait pour moi tous les attraits des pays himalayens. Une harmonie entre l'homme et la nature, et surtout une culture millénaire, qui est aujourd'hui en voie de disparition partout ailleurs en Himalaya. Au pied de la colline du Gensholing se trouve un lieu de pèlerinage, le lac enflammé, où un grand saint, Pema Lingpa, découvrit de nombreux trésors. On vient offrir aux divinités une petite lampe à beurre qui partira rejoindre toutes celles qui reposent déjà au fond du lac. Avec Shorten, un jeune étudiant devenu mon assistant, je fais le rituel à chaque fois que je passe devant la gorge. installée au Bhoutan en 1981 et j'y ai vécu pendant 10 ans. Je ne rentrais alors qu'un mois par an en Europe. C'est à ce moment-là que je me suis sentie vraiment devenir une Bhoutanaise d'adoption. À l'époque, j'étais mariée, mais maintenant je vis seule et je me consacre entièrement à ma passion. Comprendre et approfondir ce pays où je passe plus de la moitié de l'année. So, une partie de mon travail se déroule presque toujours dans la pénombre, comme ici. Il s'agit d'une immense chapelle privée qui renferme quantité de trésors artistiques incroyables qui n'ont encore jamais été répertoriés. Bien que je sois une étrangère, le gouvernement bhoutanais m'a confié il y a quelques années la tâche de former de jeunes guides comme Shorten. J'ai aussi contribué à la rédaction des manuels scolaires sur l'histoire du Bhoutan. Non seulement cette mission me passionne, mais aussi elle m'honore. J'ai le sentiment d'aider les Bhoutanais à se réapproprier leur passé. Cela me rend très fière et assez humble à la fois. Au fur et à mesure, je découvre leur manière de penser, de réagir, face à leur patrimoine culturel et spirituel. Actuellement, j'examine, je classe tous les objets, les textes, les peintures anciennes qui permettent de retracer l'histoire de ce lieu. Un des plus grands plaisirs de ce métier pour moi, c'est d'avoir entre les mains des chefs-d'œuvre d'une grande valeur, et parfois même unique au monde. Dans la religion bouddhique, l'écrit est sacré. Il est considéré comme la parole du Bouddha. Les textes depuis toujours sont xylographiés, c'est-à-dire gravés sur des planches de bois, puis imprimés. Avec l'original de l'un de ces textes entre les mains, j'ai le sentiment de remonter l'histoire. C'est fantastique. If you look where it is printed, this is an edition of Punaka. La particularité du Gensholing est d'être une seigneurie entourée d'un village. Toute une communauté de paysans, serviteurs, artisans et religieux qui vivent ici presque en autarcie. La châtelaine, Ashi Kunzang, est mon amie depuis toujours. Ce matin, les villageois descendent le Darshen, un immense mât planté à l'entrée du village, symbole de protection de toute la communauté. On le change une fois par an. Les seigneurs du Gensholing connurent un siècle d'or jusqu'à la moitié du XXe siècle. Ashi Kunzang est leur descendante en ligne directe. Ici, l'héritage familial va plus souvent à la fille qu'au garçon. La société bhoutanaise est libre. Il n'est pas encore 10 heures du matin et tout le monde se retrouve pour boire l'ara, l'alcool de blé distillé au village. J'ai connu Kunzang en 1982, peu de temps après mon arrivée. On a le même âge et rapidement nous sommes devenus des amis. Les femmes bhoutanaises sont très proches des femmes françaises dans leurs préoccupations et leur façon de vivre. Le divorce existe depuis longtemps et les relations entre hommes et femmes sont plutôt souples, ce qui n'empêche pas les gens d'être d'une grande pudeur. Je dois beaucoup à Kunzang. C'est elle qui m'a permis de pénétrer dans l'intimité du Gensholing et d'en approfondir le mode de fonctionnement. En général, les ethnologues partent sur un terrain précis puis se forgent des liens avec des personnes. Pour moi, c'est tout le contraire. Je me suis d'abord liée d'amitié avec Kunzang, puis ensemble, nous avons décidé que je viendrais travailler chez elle et avec elle. En fait, je l'ai réalisé plus tard, mais j'étais le premier ethnologue étranger à travailler dans ce pays. Je n'ai jamais eu l'impression de faire quelque chose hors du commun, juste peut-être un peu différent. Kunzang est d'ailleurs elle aussi une ethnologue. Elle a même une réputation internationale, car elle s'est spécialisée dans les contes et légendes qui entourent le Yeti. La fin de la journée est le moment propice pour poser mes questions et prendre mes notes. On se retrouve dans la cuisine, la seule pièce vraiment chauffée. Pour honorer le visiteur, on lui cuisine des pouta, des pâtes de sarrasin accommodées de piment. Comme souvent en Asie, le piment est à la base de la plupart des plats. Mais ici, il est vraiment difficile de s'y faire, car il est considéré non pas comme une épice, mais comme un légume d'accompagnement. Enfin, je m'y suis habituée. Et il m'arrive même de me sentir en manque de cette nourriture lorsque je reste trop longtemps en Europe. En revanche, s'il y a vraiment une chose difficile à supporter pour moi au Bhoutan, c'est le froid. J'ai horreur du froid. C'est un vrai luxe que de pouvoir avoir de l'eau chaude ici une fois par semaine. J'apprécie vraiment ma chance. Je n'aime que les pays chauds, comme la Birmanie, pas très loin d'ici. C'est peut-être d'ailleurs la seule chose qu'il me reste de l'Afrique, où j'ai grandi. J'ai su très tôt que je ne ferais pas un métier traditionnel, au grand étonnement de ma famille, qui pourtant m'a laissé faire. Elle comprenait. Du plus loin que je me souvienne, c'est toujours l'Asie qui m'a attirée, comme si une force me poussait dans une autre direction. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce pays, c'est le rapport au temps. Ici, il n'y a pour ainsi dire qu'une seule route qui traverse le pays d'ouest en est. Le Bhoutan est un pays de montagne et pour se déplacer, pour aller d'un endroit à l'autre, il faut prendre le temps de marcher. On ne compte d'ailleurs qu'en temps, jamais en distance. Je vais à Laung rendre visite à une femme que je connais un peu. Je voudrais la rencontrer à nouveau et essayer de comprendre ce qui motive son choix. Elle refuse d'obéir à son père. Elle ne veut pas se marier, mais rentrer dans les ordres et devenir religieuse. J'admire la force de caractère des femmes de ce pays. Au contraire de beaucoup d'autres pays asiatiques, les femmes d'ici ne sont nullement méprisées ni soumises. Elles sont extrêmement indépendantes, fortes, autonomes, et je me sens à l'aise parmi elles. On dit que le Bhoutan est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Certes, les gens ont la vie rude, mais ils sont d'un naturel toujours gai, et surtout ils ont un grand sens de l'humour. Lors de mes enquêtes auprès des habitants, je respecte les règles d'usage. On ne rentre pas dans le vif du sujet, les préliminaires s'éternisent, on demande des nouvelles de tous, on parle du temps, c'est souvent très agréable. J'ai appris ainsi tellement de choses si précieuses sur la manière de tisser des relations humaines. Lorsque je suis arrivée, tout le monde a trouvé mon nom, Françoise, trop difficile à prononcer. Un ami m'a alors donné le nom de Tashi Wangmo. Cela signifie chanceuse, fortunée. C'est un beau nom que j'aime. Un grand lama m'a béni, et dans les villages, je ne suis connue que sous ce nom. Au fil des ans, mon approche du bouddhisme s'est affirmée et consolidée. Cette approche n'a rien à voir avec celle qu'ont les Occidentaux, qui pensent que le bouddhisme va les aider à régler tous leurs problèmes. Ici, moi je vis comme la population, un bouddhisme lié à la vie quotidienne. Le bouddhisme m'a beaucoup apporté. Une grande force face aux moments d'adversité, une vision positive de la vie. Une fois par an, les cours des monastères sont le théâtre de grandes fêtes religieuses, semblables au mystère du Moyen-Âge. Les moines dansent et revêtent les formes du bien et du mal. Il me serait bien difficile maintenant d'imaginer de vivre sans lien avec le bouddhisme. J'en suis imprégnée. Un aspect de ma vie de chercheuse que je n'aurais jamais pu imaginer, c'est d'être considérée un jour comme un docteur. Pour les villageois, en tant qu'occidentale, je dois savoir soigner et surtout avoir des médicaments. J'entre dans ce rôle, mais je me contente de soulager les maux les plus simples. Gensholing évoque pour moi l'Europe du Moyen-Âge. J'imagine que rien ou presque n'a changé depuis des siècles. La vie est communautaire. La construction d'une maison se fait avec l'aide de tous. La pose de la dernière fenêtre entraîne un rituel de purification. Les femmes du village montent au sommet de la colline pour rendre un culte à Indrabuti, la divinité protectrice. Dans ce monde si particulier, mon travail de chercheuse, je l'analyse comme un moyen modeste de remercier tous les Bhoutanais pour ce qu'ils m'ont apporté au cours de ces années. C'est un échange, un enrichissement réciproque. Je n'ai jamais vraiment connu de moment de détresse, sinon je n'aurais pas pu rester. Ici, j'ai pu vivre et assumer ma passion jusqu'au bout. Elles font chacune une offrande, une par une, pour la divinité. Chaque maison a envoyé quelqu'un. Ah. Je ne ressens aucune attache avec la France. C'est juste mon pays de naissance, un concept. En revanche, c'est ici, au fin fond de l'Himalaya, que je me sens chez moi. Pourtant, malgré tout, il m'arrive quand même parfois de me demander « Suis-je parfaitement intégrée ou bien s'agit-il d'une illusion du monde ?» Voilà maintenant 21 ans que je vis ici. Et mon coup de foudre initial s'est lentement transformé en une véritable histoire d'amour. J'ai été très émue la dernière fois que j'ai quitté Gensholing. Les villageois ne voulaient pas me voir partir. Ils m'ont dit que grâce à mes questions et à nos discussions, ils replongeaient dans leur passé. J'étais leur mémoire.